Bonjour, nous sommes Céline et Alain Vidal. Nous sommes vignerons travaillant en couple au château du Brau. Cette année, nous avons lancé un grand projet en agroforesterie. Nous avons planté 1000 arbres sur la propriété, des arbres et des haies autour de nos vignes. L'agroforesterie ou vitiforesterie, ce sont les bons principes de la forêt que l'on applique à l'agriculture et à la viticulture. Jamais de sol nu, tout le temps des sols couverts, des sols très vivants, avec beaucoup de vers de terre, beaucoup d'insectes, beaucoup de matière organique, de manière à ce que la vigne pousse bien et que la vigne soit en bonne santé, qu'elle soit résiliente. Depuis des années, nous sommes déjà certifiés haute valeur environnementale au château du Brau. Et cette année, nous avons lancé ce grand projet 1000 arbres à du Brau. Donc c'est une petite forêt qui a été plantée au milieu des vignes avec une clairière au milieu. Au milieu de cette clairière, une mare qui s'est remplie rapidement et qui permet de développer la biodiversité très rapidement. Alors la vitiforesterie a des effets immédiats sur la culture. Hein. On supprime les labours pour laisser faire le travail de brassage du sol par les vers de terre et les insectes. Ensuite, donc, on sème de l'herbe à l'automne, herbe qui va pousser pendant tout l'hiver et qu'on va coucher au printemps. Ensuite, on plante des arbres qu'on va tailler régulièrement pour ne pas les laisser monter à 30 mètres de haut. Sur les vins, les propriétés qui ont développé ces nouvelles pratiques, eh bien, obtiennent des vins encore plus fins et des vins très structurés, très équilibrés et évidemment très sains. Je voulais parler des petits insectes, des petites grenouilles et tout ça.